accès à la zone de sécurité. Alors, attends, du coup... Ok. Apex. Bon. Je vais attendre son invite. Allez le voir. Allez, FT sur le serveur. Tac. Est-ce que je vais le voir? Salut. Ah voilà. Tu m'entends? Ah ouais, je t'entends. Okay. Bon bah écoute, j'attends que tu m'invites dans ton clan, dans ton groupe, et puis c'est parti. On y va. Je suis en train de lancer mon stream déjà. Bon. Ah tu le fais sur Twitch? Tac. 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 Pourquoi ça marche pas ça? Alors moi Twitch j'ai un peu arrêté hein, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dessus que j'ai énormément de problèmes de déconnexion. Ouais j'ai aucun... Enfin je sais pas. Pour l'instant j'ai pas de problème là. Ah oui d'accord. Erreur 3000 je sais pas quoi, là tu stream tranquillement, au bout de 2 heures ça te saute. Ouais j'ai regardé tes replays hier, alors attendez j'en... Bon, toi déjà. Toi tu t'es. Toi, Victor. Hop. Ah, c'est quoi ça? Major Copini. Allez. On va mettre ça. On va mettre ça. Voilà. Oula, mais c'est fort ça, dis donc. Et eh ben ça donne bien tout ça, dis donc. Impeccable. Bon bah c'est cool. T'es resté level quoi toi? Tout le moment, je suis qu'au début moi. Tout début ouais, ça bah oui. Hein. Ça va le faire. J'avais acheté pour jouer avec quelqu'un, donc cette personne m'a laissé tomber. M'a laissé tomber, pardon. J'avais le travers en plus. Bon bah allez, je te laisse m'inviter tranquillement. Deviens dans ta partie. Pourquoi il y a un carré là? Qu'est-ce que c'est que... Ah oui, bah pourquoi... Enfin, alors ce jeu me prend la tête. Paramètres, pourquoi je ne suis pas en plein écran? Qui est... Voilà. C'est déjà... Oui, je confirme. Regarde ça. Normalement, tu peux me rejoindre. Hein.
Alors, t'étais à la Maison Blanche tout à l'heure. Oui, non, mais tout à l'heure, j'ai fait tous mes réglages, voir un peu ce que ça pouvait donner, parce que, Non, t'es obligé de m'inviter. Je peux pas te rejoindre. étant donné que je suis sur trois écrans, là... Attends. Voilà. J'arrive. Endaro... Attends, j'arrive, j'arrive. Bah... Bah, mais toi, t'es niveau... Oh, putain, il y a des mecs, 335, 554... J'ai envie qui j'ai joué ça. Zone de sécurité détectée. Voilà, bon t'es où? Bah, t'es là, bah voilà, impeccable. Bah écoute, moi je te suis, hein, tu choisis tes petites missions. Y'a pas de soucis, je suis là Alors, en ok. soutien, en renfort. En soutien. Oh la gueule. C'est quoi cette casquette? Oh mais non. Alors, Je attends. ressemble à Olivier Giroud. Ouais. Augmentation de groupe inactivée. Ça. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Comment ça marche ce jeu là déjà? Parce que je sais plus comment ça marche moi dis donc là. Normalement la carte c'est virgule et tu as Ah voilà. les tu par Alors moi exemple j'ai pas les DLC par contre. Hein. moi non plus par exemple Point de contrôle. Alors ouais mais attends, moi il y avait d'autres quêtes que je voulais faire avant. ouais puisqu'en embêtant c'est Hein. que moi je vois pas tes missions. Ah si, je vois tes missions principales, t'es en train de les sélectionner, la Maison Blanche par exemple. Parce que ouais, j'ai mis mission principale. En Ah mais fait, c'est vrai qu'on peut les faire quête par. mission principale, point de contrôle, on peut faire. C'est très rapide, c'est très facile. Il faut vraiment qu'on se concentre sur ça. Après, tout ce qui est forteresse, mission secondaire. Ah non, mais forteresse, je fais pas. Pour l'instant, faut être niveau, je sais pas, c'est 3, 30 ou 40, je crois, un truc comme ça. Ouais, tu, même pas. Non, on peut les faire, mais franchement, fais mission principale et les zones contaminées, on n'a pas besoin de les faire et les zones de contrôle. Ce pompe que j'ai là, merde. Oh. Ça va claquer des bouches. Tiens, c'est drôle, hein, je m'en doute. J'ai pas d'alerte, ce stream me fait chier. Yo, c'est drôle. Comment tu vas? Le plaisir de te voir chez moi. Espèce de vieux pirate. Comment tu vas? Sacripant. Pourquoi j'ai aucune alerte qui s'affiche? Il me fait chier. Ça commence. Tu reviens et merci pour ton follow, mon pote. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, hein. Je savais bien que t'allais bien dé. Ah mais t'as bougé là, t'es où? Bah, je suis parti, moi. Ah ouais d'accord, t'es Ah dans putain, mais en un point fait, de je pars, contrôle. mais j'ai plein de gens sur ma gueule, quoi. Bah, t'es un amour, mon pote. Comment tu vas? Je me viens pour le ton mon petit hydro. Voilà, ça passe. Pas Non mais grave, il fait un attends, beau moi les mobs ils soulis. sont combien là ces cons-là? Ah ouais. C'est nickel hein. Et au niveau de l'image. Pardon. Je vais mourir du coronavirus, mon putain de merde. Non, c'est bon, ça va payer. Tout est good? Oh. Bon par contre c'est juste que j'ai pas mes alertes. Donc par contre ça va me saouler ça. Pas mes alertes qui. Donc là je suis avec mon pote, mon petit Spazou là, qui a renommé sa chaîne, pourquoi je sais pas où il m'a sorti ce nom de l'espace. Mon jeune ami Spazou là. Voilà, c'était un C'est Bruce Wallace. un de C'est mes le autres petit noms. frère de Bruce Willis. Et oui, c'est Bruce Wallace. C'est Je te laisserai regarder ce que ça veut dire. Moi quand j'ai vu Strix, je me suis dit aïe, le gars il se prend pour une carte graphique quoi. Aïe, en Strix quoi. Ouais, bah j'irai jeter un Ce œil. que ça veut dire que Merciless. Ça se prêtera très bien d'ailleurs à ce petit jeu là, tu vois. Tu vois, je te laisserai regarder. Non. Non, j'ai pas de cam encore. J'en achète une, mais pour l'instant. Oh, je prends un cul là. De toute façon, c'est bien tourné là normalement, là ça va bien là. Ouais. Non, la cam, j'en ai pas pour l'instant. C'est bien pour ça que justement, tu vois qu'il y a. Attends, F. À Merde, j'ai trompé de gauche. touche. C'est pour ça que. Ah ouais, tu veux du nude, mais ça c'est hors stream, mec. J'ai pas envie de me faire. Pas envie de me faire battre parce que j'aurais montré une sorte d'Apollon, tu vois. Détection d'un Non, point le de plus beau contrôle ici, allié c'est à proximité. Spazou en fait, tu vois. Faut pas rien lui envier. Putain, faut vous foutre là-bas. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Petit
massacre. Ça faisait un petit peu que j'étais pas retourné là-dessus là. Sinon, comment ça va, mon petit Sidro? T'as passé une bonne journée? Dans 139ème follow. Putain, mais il y a plein de gens à buter, on va les. Ouais. Ah, génial! Allez, ça passe! Là, on est les Terminators de la ville, aucun souci. C'est ça! Ah, bah, c'est cool! J'espère que t'as bien profité, hein! C'est quoi que t'as sélectionné? C'est ici? Ok, ça marche. Ouais. Faudra surtout que tu regardes aussi Grizzly, c'est les planques. Il faut aussi débloquer les planques pour qu'on puisse après partir en mission. Merci mon pote, merci mon pote, merci d'être passé, hein. Ça me fait plaisir. Hein. Merci de ton follow. Allez. Mal à la gorge, la mère. Je vais mourir moi. Attends, par contre, je sais pas ce qu'il faut faire. Tu l'as déclenché la quête ou pas en haut? Bah non, mais normalement, je crois que ça doit pas être par là en fait. Pas en fait. Alors, attends. Ici, là, terminé. Enfin, moi, c'est normal, j'ai terminé, mais toi, tu l'as peut-être pas. Ici là. Pour comp... Non, ça c'est pour votre compétence. Voilà. Alors, ah oui, mais non, mais elle est terminée en fait. Pourquoi alors ça me dit qu'il faut que j'aille là si la quête, ça me dit que c'est terminé en fait. Je comprends pas là. Bon, bah on va aller. On va changer de coin. Niveau 28. Enfin, je comprends pas. Il me donne là alors que c'est pas terminé. Mais bon, tiens, regarde devant nous là. On va pouvoir se faire plaisir un peu. Bah oui, parce que j'ai vu que t'avais fait. T'as joué à PUBG hier soir, j'ai regardé ton replay là. Ouais, je me suis remis dessus, ouais. Ouais. Oh, j'ai rien fait hier. C'est un jeu que j'ai délaissé depuis belle lurette. J'ai rien fait du tout hier. Ça, c'est un jeu où j'ai racheté, mais je sais pas combien de fois. J'ai rejoué à Fortnite, par contre j'ai fait mal. Je les ai fait mal hier. Et là j'étais content de moi, là. Ça faisait un moment que j'avais pas joué. Moi je dis pas que j'ai ce, non, en plus, ce jeu dans ce cœur. Mais... Je peux jouer à plein de jeux avec toi, mais pas à Fortnite. Mais ça m'a fait plaisir. Eh, Fortnite, le mode solo il est excellent. Hein. Le mode solo, tu peux. C'est un tower defense. Hein. C'était comme ça que ça devait être fait d'ailleurs à la base. Hein. Et plante versus zombie aussi, j'aime bien. Non, puis je me lâche, je suis dans la petite période de jeu d'horreur là, tranquille. Je suis en train de revenir un peu là-dedans là. C'est ici ta quête ? Non, non, c'est plus loin encore. On y va. Ça a tellement longtemps que j'ai pas joué. Mais le 1 il me manque. Moi je préfère franchement le 1. Le 2 est pas nul, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Moi le 2 je l'ai payé 3€ alors que. Je vais pas me plaindre là. Non, c'est sûr, c'est clair. Mais il est quand même excellent. Hein. Mais moi, c'était l'ambiance du 1 que je préférais. La neige, New York. Point de contrôle ennemi identifié. Mais bon. Bah... C'est quand même une sacrée licence qu'ils nous ont offert quand même. Faut pas dire. Moi, pour 3€. Quand j'ai vu le matin où je me lève, 3€. Ah, bon, bah j'achète direct. Là, il y a un point de contrôle là, si tu veux, vas-y, à gauche. On peut aller le faire, ça te fait gagner pas mal d'XP. Je sais même pas, je suis niveau combien moi. C'est barré. Là ici, point de contrôle, trésor disponible, on peut peut-être... T'es... Bah je sais pas, t'es pas le... Attends, moi, je niveau 9, 8, 7, bon. Je sais pas, j'ai pas joué beaucoup alors... Non mais je te vois pas de toute façon, je vois pas où est-ce que... Ouais, je suis niveau 9. 9, bon, c'est pas mal. Allez, on va rentrer là-dedans. De trouver un... Ah oui, exact. Après, tu peux me proposer tous les jeux, mais alors Fortnite, Tower Defense, ça m'intéresse pas. Ah merde, comment on fait pour entrer là? J'ai loupé un truc, quoi, ici là? C'est quoi cet embrouille? C'est qui veut nous la mettre à l'envers là? Attends, je suis en train d'halluciner là. On peut pas rentrer. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible, avec des goûts, un truc à la con. Pourquoi c'est des arnaques? Y'a pas une entrée. Bah ouais, c'est bizarre.
Parce que peut-être que j'y ai pas accès pour le moment, hein. Peut-être encore ouais, pas c'est assez. Possible. On sait pas. C'est curieux quand même. Peut-être pas encore assez au level pour. C'est curieux. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est. Ouais, c'est ce que je dois aller faire. Allez, hein. Musée d'histoire américain, et ça va chier. Votre objectif chier, est de récupérer parti. Les transcriptions et les points d'interrogatoire de prisonniers. Les informations sont stockées dans un ordinateur militaire. Vous trouverez dans la zone de détention principale, au sous-sol. Ah, je suis coincé. Ouais, ça va être intelligent. Voilà. Il est où l'autre? Bon, c'est bon. Cache-toi pas. C'est bon. Voilà, toi, malgré que je t'ai rejoint, t'arrives à les avoir nickel, hein. Hop. Vas-y, c'est parti. Oh putain. Sa première priorité, c'est de libérer les prisonniers pour occuper les fonceuses. Cherchez ce qui peut ressembler à un terminal de sécurité. Est-ce qu'il y en a qui arrivent par là? Il est là. C'est Gwen. Ouais, le confinement alors à Paris, ça va toujours aussi bien. Toujours autant la galère pour. Bah écoute, c'est toujours la même chose, sauf que maintenant ils nous forcent à aller travailler, donc ils nous font un déconfinement de travail et non pas un déconfinement sanitaire. Le terminal de sécurité doit être dans les parages. Je suis en train de faire les voyous. Ouvrez l'œil. Y a plein de choses qui vont pas. Sachant qu'en plus ils sont en train de nous établir des zones rouges, zones vertes. Oui, j'ai vu ça, ouais. Mais même si t'es en zone rouge, de toute façon t'auras le droit d'aller travailler. Donc c'est complètement ridicule. Enfin, de toute façon, c'est un gouvernement de. Terminal actif détecté. C'est des ridicules. Ça a l'air d'être ça. Trouvez-le et connectez Isaac. Mais bon, voilà. Donc là, comme il y a une petite information qui est en train d'arriver, comme okay, quoi les enfants suis. Peuvent être touchés. Je suis en train d'ouvrir les cellules. Les cellules sont oui, vertes. J'ai vu ça qu'il y avait un truc là. Attends, je m'en fous. J'ai vu qu'il y avait un. On va bien voir ce qu'ils vont décider. Il y avait un truc hein. Pour les enfants là. Mais bon, moi nullement je. Nous on les écoute pas, on n'en fait qu'à notre tête. Pas enfin, moi je fais qu'à notre aussi. Hein. Rien du tout, content pas content. Moi je vais pas risquer la vie de ma famille, de mes dispositif proches. Dispositif électronique détecté. Pour que dans 3 mois ou 4 mois on nous dise ah bah oui, si on avait su, puis finalement t'as encore 200 000 morts supplémentaires. Je sais que c'est pas évident, c'est une situation vraiment merdique. On force les gens en plus, qui n'ont pas de thunes à aller travailler, ils n'ont pas le choix d'aller travailler, donc d'aller mettre leurs enfants à l'école, entre autres. C'est vraiment des voyous. Ouais, c'est un peu, on te dit, par région, un coup c'est la France, un coup par région, enfin ils savent jamais ce qu'ils veulent en fait, finalement. Non, mais c'est parce qu'ils savent pas surtout. Je pense que, mais surtout que le conseil scientifique a dit non, non, faut pour les enfants, le mois de septembre. Le mois de septembre. La zone de détention est au sous-sol. Allez, et on prend des décisions politiques. Voilà. Alors on en est. Allez, ne nous laissons pas polluer par ça, justement, imaginons, visualisons. Et puis jouons. Ouais, non, mais moi je sais que je commence à saturer là. Ouais, j'ai reçu les écrans tantôt là, fallait que je monte tout, fallait que j'assemble tout et. Tu as reçu quoi? Mes écrans. Ah bah c'est mes bien. Écrans. C'est pas mal. Ouais, je vais prendre bah, 3 screens à mettre, bah c'est chiant. Hein. C'est chiant mais ça fait plaisir. Surtout que ça, ce qui fait plaisir c'est que ta carte graphique elle bronche pas, non? Ça va? Bah la 1060 Ti elle bouge pas là. Moi je peux pas jouer comme si j'étais en double, mais bon après bah c'est vachement bien quoi. Elle va peut-être pouvoir te satisfaire un petit moment finalement. Ouais, j'aurais préféré ma 2080, mais bon, vu que pour l'instant Nvidia sont pas bien prêtés. Écoute, moi je suis avec ma petite 1070, ça me va très bien. Hein. Je vais pas commencer à les taper du RTX pour leurs beaux yeux. Déjà, j'ai pas 500€ à mettre dans par 500. Je parle oh de merde, la... putain, mais quel. Je parle de la 2070. Quel crétin. 2070 super. Là. Là, c'est en réflexion. Attends,
Attends, ils sont en train de nous vendre un truc super pourri là, ils sont en train de t'inventer un RTX pour Minecraft. Non mais comme si sans le RTX ils étaient pas capables de faire des graphismes. C'est quoi, qui... ouais j'ai vu ça ouais. Ils sont déconnés, ils étaient des merdes, je les fais, je les invente. Hein. C'est ça. Ah ouais non mais moi par contre je prends tarif là. Ah bah je suis mort. Ça, je sais pas c'est quel bouton par contre pour moi pour me soigner, alors là je suis un peu... V. C'est V, super. Ouais, moi je suis mort. Ah ouais ok. Agent à faire. Ah, j'ai pris cher aussi là. Ouais, l'agent ne présente plus. Ah, c'est à cause du bouton. Je savais plus c'était lequel. C'est pas grave, on va recommencer, c'est pas de soucis. Ils sont mauvais. Vas-y, je vais sortir ça. Je vais sortir mon petit drone. Ça va pas se passer comme. Ok, petite vérification, y'a personne. On peut y aller tranquille. Allez, hop, c'est parti, go. Allez, hop. Voilà, j'ai même vu là qu'il y a le RTX Void. Ouais. C'est pareil, c'est pour quoi faire quoi. Je veux dire quoi, c'est. Alors, c'est vachement bien, moi j'ai testé, franchement, c'est trop bien. Bon, normalement, c'est pour les cartes graphiques RTX, mais moi j'ai trouvé la parade pour. Oui, tu peux. Faire. Ouais, sur les cartes graphiques normaux. Ouais. Juste d'aller dans le... un petit fichier où il faut que tu désactives. Enfin, que tu supprimes 3 lignes. Assistance médicale immédiate nécessaire. Voilà, bon. Ah, toi, tu vas cramer un peu, ça va te faire du bien. Ils sont motivés. Hop, toi, tu vas cramer, ça va lui faire du bien. Oh, j'adore. Il y en a qui fait une petite contourne là du côté de la. Du coup ça donne quoi alors cette... c'est quoi c'est un... Alors en fait ça se supprime vraiment tous les bruits que t'as autour de toi en fait. Il y a eu plein d'essais qui ont été... Oh maman. Oh putain putain oh putain oh putain. Et en fait c'est vraiment un suppresseur de bruit mais c'était ouf quoi, mais bon après Est-ce que c'est nécessaire? Non. Je voulais quand même essayer, c'est, ça reste quand même du Nvidia, donc bon Nvidia caca. Ah oui non c'est les champions, on va pas se mentir. Hein. De toute façon, vu des tarifs qu'ils exercent, ils peuvent se le permettre. Hein. Mais je suis quand même content qu'AMD remonte un peu le pavé là. Même si je suis pas du tout AMD. On s'offre le processeur. Ouais, bah, pas AMD pour l'instant, c'est ce qui sauve la vie pour ton ordi pour l'instant. Hein. Bah, exactement. On va pas se mentir, hein. Bah, je sais pas, mon pros, moi je vais le changer bientôt là. J'ai trouvé un petit plan là qui vient d'Allemagne. Donc... Wow, pas trop jouer le show là parce que j'ai pas trop envie de mourir. Et hop. Attends, regarde. On va cramer un peu du monde. Ah. Le feu, c'est la vie. Voilà, c'est bon. Oh tiens, je crame en fait. Mais je vais rappeler. Ah, mon... Je vais rappeler mon drone. Hop. Apparemment, les Trusons contrôlent la zone de détention. Les Yens sont en train de détruire les caméras de sécurité. Les Yens. Ils sont pas si cons, finalement. Ouais, je vois que c'est quand même assez fluide, apparemment. Là, je suis en 720p, donc... Bien. Ton stream, il est en 720? Ouais. C'est bien. Là, j'en vois 6000, là. Wow. C'est pas possible, t'as pris toi mon gars. Allez, c'est on y va. Wow. Deuil.
d'accord, ouais, ça marche. Derrière, derrière. On joue avec ça ou pas? Allez, hop, c'est parti. Prends la pétoire, mon pote. Du coup, à 20k. Je vais pour te soigner. Ouais, ouais. Voilà. Comment on fait pour détacher cette merde? Bon, c'est tout. C'est vrai que normalement, c'est vrai que je l'avais acheté parce que je voulais jouer avec un pote, tu vois, mais c'est pareil. Les gens ils veulent se font acheter des jeux, tu les vois plus. Qui commence à me gonfler très fortement, donc du coup, bah maintenant, bon, encore voilà. Celui-là, t'as pas coûté cher, 3 euros. Bon, ouais, mais 3 balles, c'est rien, c'est quand même 3 balles. Voilà, tu peux... payer 20 balles, je m'en foutais un peu. À quoi. La limite, celui-là, même c'est même pour toi que tu l'as acheté, quoi. On va dire, j'ai plus l'image de la zone de détention. Bah, 3 balles quand j'ai vu l'homme, putain de merde, direct au départ, je me suis dit, c'est une arnaque. Ah, mais ce mois, celui-ci, je l'ai fait tout seul. Hein. Y a un pote qui m'a épaulé au démarrage, puis après, pareil, il m'a pas abandonné, il est parti jouer à autre chose. Et non, j'ai fini tout seul le jeu. Bon, monsieur, si on joue ensemble, ça peut être un jeu pour jouer ensemble. Donc, du coup, ça peut être. Ça peut être sympa. Moi, après, je suis à fond sur Fallout 76, là, donc. Attends. C'est pas là, là. Nous sous-estimons la division depuis bien trop longtemps. Ouais, c'est ça. Ils ont frappé fort. Ouais. Mais nous sommes plus nombreux. Où est-ce qu'on doit partir? Qu'est-ce qu'on a ici, 251? On pourrait fortifier nos défenses. Les hyènes et les parias ne tireront pas longtemps contre la division. Si nous mettions moins d'effectifs dans ces opérations, c'est hors de question. Voilà, c'est bon. On ne ramassera pas les miettes, nous sommes les troupes alliées. On ne peut pas se bloquer comme une bande de lâches. Je sais même pas par où je dois aller, hein. Ça, c'est bien. Attends, je vais regarder si je conseille la prudence, général Ridgway. De bons soldats risquent de mourir. Nous sommes en guerre, sergent. On ne perd pas de soldats, c'est qu'on perd le contrôle. Vas-y, je vais m'équiper de ça. Ouais, je suis déjà équipé. Oh la gueule que j'ai avec mon bonnet, putain de merde. Ah, mais c'est quoi cette arnaque là? Je me suis trompé. Attends. Je crois que ça fait un moment que t'as pas. Alors, ça donne quoi? Score de rejoins la salle de réunion. Allez, on peut équiper, nouveau gant, beau gosse. C'est parti. Donc... Moi je changerai une fois que je repartirai à la Maison Blanche. Je change rien du tout. Rejoindre la salle de détention. T'as pas. Moi j'ai pas de marquage hein. Bah moi non plus justement, je suis en train de regarder mais Ah bah si attends, c'est apparu. Merde. Patriotisme. Il y a un marqueur par là là. Est-ce qu'il faut pas descendre là par hasard? Moi j'ai l'ascenseur là, est-ce qu'il faut... Ah putain attends, il y a bah, un super si, là-bas, bon, c'est quoi là. Ah ouais c'est ça. Putain, ouais, je l'ai pas pris, merde, quel con. Voilà, on y est. Ça, ici, ça. Voilà, c'est bon. On a 8 blessés, mon général. 3 morts, 2 femmes enceintes. Contrôle. Doucement, dites-moi ce qui s'est passé ici. Ce putain de paria est entré. Allez, en c'est parti. On l'a allumé. Ah oui, mais défends, putain, de l'autre côté, là, personnage, machin, il veut pas défendre, quoi. Ah, voilà, c'est vrai. Vous avez bien réagi, vous avez vu ce que vous avez fait. C'est quoi leur problème, ces types? Ne vous inquiétez pas, celui-ci sera rendu. J'ai retrouvé une image caméra. La zone de détention est juste devant vous. Trouvez l'ordinateur portable, prenez-le et coupez-le. La petite cassounette. Je pars en haut.
Il y a des chiens ou quoi? Assistance médicale immédiate nécessaire. Mais regarde, ça va pas tout drôle. Agent immobilisé. Ouais, ah, ils m'ont bien eu là. Alors attends, je vais essayer de venir t'aider. Ouais, t'as pris des risques, ouais. Attends. Comment je fais pour te soigner? F. Ouais, je suis un fou, moi, je suis un thug. Vas-y, mes potes. On essaye de le buter avant. Ah, j'ai un bug. Bon, c'est un peu de caca. Bon, vas-y, je vais... Oh, génial, GG. Ah, mais je... impossible de... Bon, de mettre moi, en... Oh, c'est pas vrai. On est mauvais, dis donc. Non, 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 c'est parce que impossible de pouvoir se cacher derrière la caisse. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi je mourrais. Parce que c'est comme ça. Bon, vas-y, je repars en haut. Parce que c'est comme ça. Je vais le laisser ouvrir, tac, comme ça. Et vas-y, la porte. Allez, tiens, prends ça, mon pépère. Petite malade. Oh, voilà, il y a l'arme. Attends, ce que tu fais. J'ai l'histoire. C'est bon, ça, c'est bon. Ah, il même pas, il donne un petit truc de stuff là, connard. Apparemment, des renforts Trousson se dirigent vers vous. Par le nord ou par le sud? Les deux. Mais il y en a encore plus au sud. Dadoa, salut mon pote. C'est bien que j'allais voir des gens. Ça va mon petit gars? C'est par là. Voilà, tac. Bah écoute, ça va, hein. Un petit retour. Oh. Un petit retour tranquillement sur le Twitch game là. Je pense que le serveur va se chauffer parce que je suis là. On va les faire surchauffer en tout cas. 237, ah. Je prends, on s'en fout. Oh, bah écoute, hein, ça va, super. Ça va bien, c'est cool. C'est bien, je savais bien que j'allais voir du monde. Du monde qui sont passés faire un petit bisou. Ah, je suis avec mon petit pote là, mon petit Trésou là, alias Bruce Wallace. Ah ouais, Bruce Wallace, Marcellus Wallace. Marcellus, ça, le vieux nom. Au niveau du son, Dadoa, c'est cool, c'est parfait le son, y a pas de stress. Attention là, ça va taper dans tous les sens, c'est parti, j'attends le gris. Ok, c'est bon, vas-y. Je tape à gauche, c'est... C'est à gauche, il y a un petit boss là. Perfect. Petite saloperie. Je vais aller le chercher. Tac. Wow. Perfecto, mon commentaire ou une figure qui sent. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas streamé là. Il est où le capitaine? Il est là. Oh maman! Ouais, ils sont au-dessus, ça. Oh, mais c'est un niveau. Je savais que j'allais te voir, Dadoa. Je sais pas pourquoi, mais.
Ouais, bah le confinement, ça commence à me... Voilà, bon, attends, j'ai un gros violet sur moi, donc je vais essayer de ne pas me faire chuter. J'arrive. Le cube du jaune qui est juste au-dessus, là. Parce que, là, en train de taper au snipe. C'est bon, il est descendu. Ah, crotte. Probablement. Je vais essayer de venir vers toi. Comme ça, hop. On est bon, panique pas. Oh, première charge. Oh, j'ai pris cher. Je suis mort. Ah bah, c'est cuit. Oui, bah, t'es complètement parlant, mon pote. Confinement de merde là, machin qui nous fait plus chier qu'autre chose, je te dirais, mais bon, après. Après, voilà quoi, mais bon, on doit faire avec. Attends, je direct les points. Ouais, par non, là. Bah, le 11 mai, c'est un leurre. C'est un leurre. On les bute, c'est, on il y aura une deuxième vague. Bien sûr. Même si elle est pas là, sera en hiver. C'est en octobre, ça va barder. Tu vas voir, avec la grippe et tout, c'est là où ça va être très compliqué. Les gens ils croient que comme ça là, des confinements ils vont pouvoir ressortir comme ça, faire les guignols dehors. C'est ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est ça aussi le problème. Mais malheureusement, c'est en place. Non. C'est-à-dire que ça va mieux qu'il y a de moins en moins de. Non, en juin, juillet, mec. Cet été, tu vas rester chez toi. T'en as pour 2 ans là. Tu n'auras pas de vaccin, ça sera. Non, mais en. Non, mais en Chine. En Chine, bien évidemment que ça va reprendre. Il y en a même apparemment un pour les enfants là. Apparemment, il y a eu un petit truc pour les enfants. En Chine, ils reconfinent. Hein. Bah ouais, non, mais voilà. Après, c'est. Il y a plein de pays qui reconfinent. Hein. Non, mais qu'il faut. C'est bien beau d'avoir de l'espoir, mais là, là, c'est une grosse cochonnerie. Là. C'est une belle cochonnerie. Ah, ça a déjà repris en Chine. Bah, je sais pas. Tu sais, je veux dire, je vais être honnête avec toi. Regarde pas. Ah oui, fais gaffe, elle lance des grenades chimiques. C'est un petit truc fait par l'homme, ça encore. Hein. Bien sûr. Vu comment ça mute et vu comment ça résiste à tout, ça c'est pas l'épée d'une chauve-souris qui a fait ça, hein, le pangolin. Enfin bon, c'est pas le débat. Au moins on peut en parler, alors là, je vais dire, moi ça me dérange pas, au contraire, je pense qu'il faut que les gens ils ouvrent les yeux et on le sait tous que de toute façon. Bien sûr qu'ils vont nous donner les chiffres, mais évidemment, putain, quand tu vas apprendre toutes les personnes qui sont mortes chez elles aussi, tu peux rajouter 10 à 15 000 déjà de décès sur leur météo. Bah, c'est surtout que là, ils ont dit que par rapport à tout ce qu'ils ont déjà fait, c'est, tu peux rajouter 8 à 9 000 morts déjà. Ah merde, tu me tombais. Ouais, j'ai vu. Non, on va pas dire chinois de merde, c'est juste que voilà, ils ont. J'arrive. Chinois de merde, attends, parce que là on parlait de leur nourriture, tout ça, qui mangeait du pangolin ou de la chauve-souris, mais va savoir si ça vient pas du laboratoire. Et le laboratoire, c'est un laboratoire français à Wuhan, hein, attention. Hein. C'est un laboratoire français, chinois et américain. Merci. Donc si on apprend que c'est sorti de là, qu'il y a une manipulation faite par les hommes, ça veut dire qu'on va pas avoir bonne presse. Hein. Sachant que comme tout le monde s'attendait à une troisième guerre mondiale, et que finalement dans la troisième guerre, bah, les bactériologiques, on va pas se cacher. Bon, on est dedans, de toute façon, c'est. On va l'avoir, hein. C'est une guerre économique faite par une guerre bactériologique, et puis c'est tout, hein. C'est comme ça que les pays pourront s'en sortir et les autres s'en sortiront pas. Et malheureusement, j'ai bien peur que ce soit pas les pays pauvres qui ne s'en sortent pas, ce sera les pays riches. C'est nous. Et regarde tous les pays comme le Vietnam et tout ça, là, qui. Bah, eux, ils ont quasiment pas de contaminés. C'est nous. Macron, il. Ah putain, mais d'où je suis encore tombé, là. C'est ce qu'on expliquait. C'est quand même curieux qu'au bout de 3 mois de confinement, on est en train de nous expliquer que la France allait au bout du gouffre, quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas, on est pas un pays fort, on n'a même pas de trésorerie, on n'a même pas de caisse, on n'a rien pour subvenir aux Français, même pendant un an, quoi. C'est un scandale. C'est un scandale. Enfin bref. C'est vrai. Bah non, mais c'est vrai, attends. Le pays français, de rien, je suis d'accord. Le pays qui est le plus hautain, qui est là, qui donne des leçons à tout le monde, on n'arrive même pas à tenir 3 mois sans t'expliquer qu'il va falloir aller vite aller travailler et te faire contaminer, parce que sinon tu vas payer toute ta vie. Non, mais c'est quoi cette blagounette là? Les mecs ils se versent des dividendes, des trucs de ouf, et nous on n'est pas capable de tenir 3 mois sur
on est des rigolos. Eux ils seront à l'abri. Eux ils seront à l'abri pendant que toi tu vas crever comme rien. Bah oui, on est des Mario. Ouais, enfin, la campagne, c'est pas parce que t'as la campagne qu'il peut pas arriver, hein, très clairement. Hein. Mais il va arriver, parce que dès qu'il va y avoir le deuxième déconfinement, ou quand bien même là, quand il y aura plus de. Quand on va déconfiner tranquille, les gens ils vont dire bon bah c'est bon, on va pouvoir aller sortir, on va pouvoir aller se promener à 100 km de chez soi. La Normandie n'est pas très loin, hein, à 150 bornes. Donc tu sais, bon 200 bornes, je vais rajouter quand même, parce que c'est des procès que tu vas. Dadois, il est pas loin de chez moi en plus, je crois. Mais c'est de Rouen, je crois. Une ça va être les Alsaciens et les Parisiens qui vont venir contaminer les régions. Parce qu'il dit qu'il y aura un annoncement de deuxième confinement. Je le souhaite pas, mais malheureusement, j'en ai bien peur. Et bah les gens ils vont direct se barrer dans leur maison secondaire ou quoi. Et puis bah ça va contaminer tout le monde. C'est ça malheureusement le truc. Bon enfin bon bref, vas-y je te suis. Plan annexe. C'est quoi ces plans? Je ne fais que de survivre dans ce monde post-apocalyptique, hein. C'est ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Mission principale pour l'instant? Bah non, je sais pas. Mission principale, c'est intéressant, faudrait que tu puisses les faire quand même parce que ça te débloque pas mal de choses. Hein. Avant, je pensais que j'allais vivre longtemps, mais plus maintenant. Si t'as, regarde à côté de toi si t'as des camps. Tu sais, si t'as des petites bases que tu peux découvrir. Bah, t'as une planque, ouais, là. J'en ai, mais c'était dans l'autre ville en fait. Là, là tu vois, j'ai le refuge où j'ai une quête. La planque là, je l'ai pas eu. Par contre, celui-là, on peut aller faire le point de contrôle qu'il y a là. Non mais là t'as une planque à côté la Grésilie, hein. Tu dois la voir. Hein. Une petite maison. Une petite maison. Non, je sais pas, ça me parle pas. Tu la vois pas sur ta carte? Bah là moi je vois là, j'ai la planque là qui est à côté de nous là. J'ai un point de planque, la planque là je l'ai pas celle-là. Bizarre, parce que ça te permettrait de. Bah viens on peut. Bah viens vas-y, je te souviens. Moi en général, je sais que moi en général je me balade donc comme ça que j'ai fait mes niveaux en fait. Ouais non mais bon. De toute façon tiens, moi je laisse les gens faire, oh, moi voilà. Ça me fait marrer. Marrer moi. En fait y'a que Spazou et moi qui allons se faire vivre parce que nous on est intelligents. Non mais moi j'ai déjà maté tous les épisodes de Walking Dead, de Fear the Walking Dead. Moi je suis prêt moi. J'ai les rations, j'ai la batte de baseball, j'ai les flingues, j'ai tout, moi c'est bon. Il manque juste le bunker, ça je suis dégoûté par contre. Putain, pas avoir fait un bunker. Ça c'est quelque chose, tu vois, j'aurais toujours voulu faire un bunker ou une salle secrète. Mais surtout le bunker, toi tu fais un truc dans ton sous-sol là. Tu peux tenir 2 mois tranquille. Enfin 2 mois avec des gamins et tout, tu tiens pas belle lurette. Hein. Non mais je parle niveau de. Même pas, tu peux te dire 6 mois, 1 an, tu manges des conserves et tout. Non mais après dans ton bunker, tu fais un bunker où tu mets quand même. Y a un baby foot, y a la Switch, tu vois, tu l'équipes quand même. Je te... Non mais enfin bon, c'est quand même triste de voir que on est en train de vivre ça. Et il y a des gens qui sont en train de se dire, mais c'est bon, ça va bientôt se terminer. Détectable qui est détecté, c'est quoi ça? Ça va être bientôt fini, vous allez voir. Ouais, bah je crois pas moi. Moi je crois qu'on est au tout début de la galère. Moi je pense qu'on est au tout début. Ouais. Et... Là je ne me rends pas compte. Voilà, donc là t'as la planque. Là il faut que je descende les escaliers ouais. Là. Vas-y viens, je suis en bas. Il y a la planque. Voilà, comme ça tu pourras au moins pop ici. Alors, affectation confidentielle. Fédéral trio. Ah, tu l'avais pas. T'es en train de faire une petite mission en même temps en fait. Ah, j'avais pas ça. Je vais récupérer ça. Et vous, ça a été quoi votre moment? Quoi? Quel moment? Qui vous a fait vous engager? L'ouragan Imiki. J'étais toute petite. Mais j'en fais encore des cauchemars. 170, on n'a pas vraiment eu le choix. Ouais. Oh, j'ai 10 jours. C'était pas juste la tempête en plus. On n'a pas eu de courant pendant des mois. Les routes étaient coupées. Les maisons étaient détruites ou avaient été arrachées. C'est clair que ça a dû être une expérience sacrément formatrice. Ouais, il n'y a pas eu que du négatif, ça veut dire. Ça a resserré les liens de notre communauté. On s'est fait des amis qu'on n'aurait jamais connus autrement. Et puis, mine de rien... Oui, mais moi, le bunker, c'est chez moi, mon pote. Premier qui veut rentrer ici, je peux dire que... On pouvait aller où rien ne s'était passé. Je sais pas, il sait pas ce qui l'attend. Ça fait une grosse différence. Voilà, on va prendre ça. On va pas être exigeant. A plus mec.
Tu vas manger à cette heure-ci, toi? Manger à 10h du soir? On va skipper ça. C'est pas bon. Bon, moi, je fais mes tripes plus tard. Pour... Je vais casser ta gueule. Non, bon, c'est bon. J'ai pas de caisse. Regarde, des fois, si t'as des caisses aussi à ouvrir, hein, faut pas les oublier. Hein. Dans ton inventaire, c'est. C'est à droite. En dessous du gilet. Sous des trucs de protection. Là. T'as une sorte de caisse avec un ventilateur. Là. Des fois, si t'as 1 sur 2, c'est des caisses à ouvrir. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a récupéré? Alors, qu'est-ce que j'ai? Sac à dos. C'est le petit badge. Ah ouais, j'en ai un pour le niveau 38, quoi, qu'on m'a donné. Le gars qui m'a dit en... Qui m'avait aidé, il m'a dit, je t'en donne un, le niveau il est 38, le machin. Ah, attends, t'es où? Tiens, regarde... Attends, bah attends, bouge pas, ça tombe bien, d'ailleurs, ce que tu me dis. Attends. Ah, attends. T'es level quoi, tu m'as dit, toi? 10. 10, ouais, 10, c'est ça. Ah, Maxou, 25 000! Salut, mon pote! Bienvenue à toi, comment tu vas? Comment vas-tu? C'est bien, j'ai du monde ce soir qui... Oh, bah, c'est ouf ça, c'est bien ça, dis donc, ça fait plaisir. Hein? Je t'avais dit, je vais les faire surchauffer les Twitch Games ce soir, je le crame, je crame tous les serveurs. Ça réchauffe le cœur. Bon, par contre... Eh bah écoute, ça va super bien, et tout le monde me cause, hein, sa mère. Sérieux, tout le monde... Attends, comment je fais pour te donner les trucs? Je peux pas te les donner, en fait. Je peux rien te donner, en fait. Je peux même pas les jeter. Et ouais, inspecter, marquer, préférer, démonter, modification, équiper. Non, je peux rien te filer, en fait. Ouais, je peux rien te filer. Bon, bah, ok. Bon, et moi, je sors de là. Je t'attends. Vas-y, fais ton petit truc, tranquille. Attends deux secondes, ouais. Attendant que tu sélectionnes ta petite cartounette, et puis voilà quoi, je vais faire un petit peu de dégâts, tiens. Ouh, ça tire fort, mais par contre, il y a un recul de merde. Là, je vais tuer... Recul de merde. Je vais plutôt défoncer les pigeons avec ça. Mais c'est normal, mec, que je vienne sur ton stream, c'est logique. Après, j'ai une mentalité un peu con par moment, mais c'est normal, les gens qui me suivent, je me dois d'aller les voir. C'est normal. Ça s'appelle le partage. Bon, attends, du coup, tu veux qu'on fasse quoi? Ouais, enfin, quand le mec est mauvais, ça s'appelle de la souffrance. Hein. Pas faux, ouais. Alors là, j'ai des missions annexes. Enfin, je dis pas ça pour la personne qui est. J'ai des missions annexes, j'ai un point de contrôle. Aïe, aïe. Tu veux faire quoi là? Vas-y, je te suis, là, je suis en pleine guerre là, donc vas-y, vas-y. J'ai un point de contrôle à prendre. Ah bah attends, ils m'ont fait super les gars, c'est quoi ce délire? Ah vas-y, je te suis, je te suis. Attends, c'est juste parce que là ils sont fâchés là. Ils sont fâchés. Voilà. Moi je prends avec tes dents toi. Voilà, voilà, impeccable. Ah, ah, ah. Yes. Parce que là ils sont nombreux. Que toi j'ai vu tu jouais à des jeux de sport. Maxou, tu jouais à des jeux de sport, je crois toi. Attends là, je sais pas quoi là, je suis pas fan de jeux de sport mais J'ai pas pu trop parler, mais je suis venu vite fait. Oui, bah attends, je te suis, vas-y. Ouais. Ah, attends, il y a pas de discussion de propagande, c'est quoi cette merde? Ah, on peut, vas-y, c'est un petit truc vite fait là, c'est parce que. Ils sont ah, groupés. Déjà, faut qu'on parle de l'autre côté. Ils sont ouais, groupés, non, mais... là, c'est la petite secte, vite fait, vas-y, on peut y aller, c'est bon. Pas de soucis, pas de sushis. Ah, PUBG, enfin, je fais un. Non. Les Battle Royale, c'est pas pour moi. Non, moi, c'est des trucs qui me font rager là. Oh, il y a un beau petit groupe là-bas. On y va. Alors, lui, je te jure que eux, je vais te leur cramer la gueule. Regarde, hop là, cramage de cul. Il y en a un deux. Petit drone ça de arrive derrière. La cage de technologie SHD dans un labo au sous-sol. Waouh, 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 bah ouais, mais. Ça va, je te dégère. Ah, mais je suis à terre, moi. Ah, ok, attends, j'arrive. Ouh là là. Même toi, tu joues sur X. Fais gaffe, y'en a qui arrivent vers toi. Tu joues sur Xbox, quoi, je crois. Hop là. Un petit jeu à la. Ah, bah voilà, ok.
côté. T'es mort? Ah bah oui, je suis tué, ouais. Je me fais tuer. C'est pas possible que j'en prenne la tronche comme ça. Allez. Con, hein. Ouais mais c'est normal, c'est parce que tu joues avec moi aussi, c'est le. Il y a quand même un niveau adaptatif. Un autre agent est maintenant dans votre groupe. Ah, on fait un peu la dérangeur. C'est des mecs 28, hein, c'est des mecs 28 qu'on tape. Hein. Sachant qu'ils sont un peu affaiblis. Tu peux me raise ou pas là? Ah non, je suis en train de prendre une balle, je suis au sol. Agent immobilisé. C'est qui cet agent qui vient de me rejoindre là? Vilain. Agent tué. Vlan. Mais pourquoi je suis pas dans ta partie là? Bah ah, si, si t'es là. Endaro, t'es avec moi là. Mais c'est qui Vlan? Vlan 11. Mais j'en sais rien, j'ai fait demande de renfort là donc. Oh. Ouais, bah, on est bien content de les avoir. Hein. Oh. Est-ce que les mecs qui répondent ça, moi ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir de savoir que t'as des gars. Mais à part. Oh, oh, oh. C'est ça qui est excellent en jeu, c'est les fusillades. C'est. Mais grave! C'est ça là-dessus, c'est. Oh putain, il y a un machin jaune dans ce quoi? C'est une clef. C'est une quise. Hein. Périmètre sécurisé. 2525 points, oh putain, c'est bon! Putain, j'ai beaucoup d'armes à démanteler là. Hein. Bon bah vas-y on te suit. Et à part PUBG tu joues à quoi? Ça c'est cool, tu demandes des renforts, les gens ils viennent direct, c'est nice, moi j'aime bien. Hein. Ouais bah c'est surtout que c'est un. On voit le snipe et tout qu'il a là, on voit que c'est un mercenaire. On voit que le mec il a envie de jouer tout seul et puis il va dans des games des gens. C'est son rôle, c'est toute sa vie. C'est ça. Il s'est dédié ah ouais, à ça. Ah ouais, le pétard qu'il a, mon gars. Mais oui. C'est le Charles Bronson de Division. Renfort en approche. Tant mieux, parce que moi je prends du niveau là. Enfin, l'XP ça tombe. Ah bah ouais, là tu. La petite voiture, hop. Tiens, c'est bien, c'est pire que Charles Bronson. Oh putain, ouais, ah ouais, effectivement, là. Oh. Ah ouais, non, mais le gars, c'est. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. C'est pas de problème, on va aller. Il y a Charles Bronson avec nous, de toute façon. Ça faut prendre ça. Voilà. Bon, c'est tout, il n'y a plus personne. Nouveau contact, ah oui, c'est, ah oui, voilà, c'est ça, c'est UFC. UFC, ouais, pour le NFL. Ouais, voilà, c'est ça, pour l'américain. Attends, la dernière fois, j'ai joué à NBA Playground 2. Moi, ouais, j'ai kiffé. Je me suis revu quand j'avais 8 ans. C'était, tu sais, comme NBA Jam. Ah oui. Ouais. Il est chaud là, Bronson là. Voilà. Ah, c'est le carnage, c'est le carnage. Allez, lance-moi la grenade, recharge-moi ça. Moi, je suis pas fan des jeux de sport. Ça m'a jamais attiré. Ouais, j'aime bien. Toi. Mais j'aime bien jouer tout seul ou en coop. Jamais en. Contre quelqu'un, déjà, j'ai pas le niveau. Et j'aime pas cette mentalité. Toujours tes potes qui sont là, qui vont, ah, vas-y, viens, on fait un petit match là, on va voir qui c'est le plus fort, si on a branlé. C'est bien si t'arrives à jouer à trop de football toute ta vie. Les mecs, ils achètent des PS4 Pro ou des trucs comme ça juste pour un jeu de football. Hey, tu pouvais t'acheter une Game Boy, hein, ça tourne aussi. Hein. C'est clair.
c'est fou. Accès à la réserve. Allô. Ça, c'est hallucinant. Z, c'est toi que j'entends? Oui. Oh, j'ai reconnu ta petite voix tout de suite. Je vous dérange pas? Non, 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 je me suis mis sur le général espoir, donc y'a pas de soucis. Hein. Bon, alors. Comment ça va, toi? Bah, bonjour, Grizzly. C'est, ouais. Salut. Donc, c'est toi le fameux Grizzly, depuis le temps que j'entends parler de toi. En mal. Non, en mal. Bah, ça, je pense qu'il fallait pas le dire, mais si ouais, tu le dis, mal. C'est quoi, il faut le dire. Alors, comment ça se fait que ça stream pas, là? Bah, je l'ai stream, mais j'ai arrêté. T'as fait quoi? T'as fait mon call-off? Non, du un petit peu forcé, mais je sais. Ah. C'est le jeu préféré de Chrisley. Je sais pas si tu le sais, mais sur ton stream, on peut pas de marquer de... Ouais, tu peux pas de chatter. Message. Ok, bon bah, tu le sais, donc c'est normal. Ouais, ouais. Non, mais c'est cool, Maxou, la NBA. Après, les NBA, je pas assez de jeux de sport, je suis pas fan, moi. Pas fan, hein. D'ailleurs, c'est quoi quand c'est un petit diffusion Fortnite, ennemi intercepté. Quand tu veux. D'accord. Bon. Bon, bah, je te le dirai alors. Ah oui, d'accord. Bah, Warzone, je l'ai installé parce que pour jouer avec ma soeur, parce que ma soeur est putain et tout. Et il est pas mal, hein, Grizzly Warzone. Hein. J'ai joué justement avec Zed. Eh, franchement, il défoule. Hein. Il est bien. Il est propre en plus. Où est-ce qu'on s'en va là en fait? Je sais pas où on va. Ah, je te suis, vas-y, je te suis. Non, il est propre, hein, par contre. Le genre n'est plus dans votre groupe. Ah oui, c'est pareil, l'autre. C'est pareil, Charles Branson. Ah, mais il a vu, il a pas suivi le level qu'on avait, tu vois. C'est normal, je comprends. Hein. Ah, évidemment. Aïe. Oula, ton micro là, par contre. Wow. Le mien. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi, c'est ton nouveau casque? Non, non, c'est. Je parle avec mon téléphone, comme d'hab, je peux pas mettre de casque sur mon téléphone. Tu le reçois quand ton casque? De quoi? T'as dit quoi, ton casque? Tu le reçois quand? Entre le 7 et le 14. Ah, mais c'est clair, Matou, je suis carrément d'accord avec toi. Hein. Ça va. Tu vas le recevoir rapidement, tu vas voir. Ça, c'est les dates qu'ils donnent, mais ils vont te livrer très rapidement. J'espère. Désolé pour le bruit là, Matou. Hein. Ah, pour le. Mais sinon, ça te gêne pas, Z, de quitter le truc? Non, t'en fais pas. Hein? Et je te reprends, bah, je te reprends un petit peu plus tard. Parce que je suis sur le stream en fait de Grizzly en même temps, et c'est vrai qu'avec ton téléphone, ça nous arrache les oreilles. Ouais, gros bisous, Z, et je te reprends tout à l'heure, d'accord? On pourra jouer avec toi si tu veux, Z. Ça roule? Ça dépend quel jeu. Bah, Grizzly, il adore Fortnite, c'est comme je t'ai dit. Ouais, grave. Non, mais par contre, Call of, ça peut se faire, hein, Call of. Il faut que j'achète Minecraft, il faudrait être cool, quoi. Ah bah, Z, ouais, il adore Minecraft. C'est un chef. Je suis ton formateur, c'est ça. Ouais, c'est lui qui m'a appris à jouer à Minecraft. Avec les petites... il m'a sorti tous les petits... les petites formules. Oui. Non, mais y'a pas de soucis. Bah, tu veux jouer à Call of, tu m'envoies un message sur Discord. Ouais, ça marche, on fait ça, Z, et puis je te reprends tout à l'heure de toute façon, d'accord? Bye bye. A tout à l'heure, Z. Ciao. Là, il y a une mission ici, là, ou il y a... Ouais, t'as un point de contrôle. Ah. Oh, que dalle. Voilà, ça c'est bon. La clé. Connexion interne. Et ça c'est bon. Attends, bah, que dalle. Diffusion ennemie détectée. Ah, ils sont là. Ils sont derrière nous. Ah, ils vont être près du. Ah non, c'est bon, ils sont là. Allez hop. C'est parti. C'est un sale temps quand même, hein. Un sale temps pour faire la guerre. Sale temps, ouais. Bouffer de l'escargot ce soir. En plus,
En plus, j'avais mis un truc, toi, pour pensant que t'allais streamer aussi. Tu vois. T'annonces là, toute mignonne, comme je sais bien les faire. Hop. T'as marqué quoi? Attends, faut que je pourrais pas regarder. Voilà, lui, ça c'est fait. Des courtoisies, voilà. Donc, rétablir la diffusion, là, j'y retourne. Ça marche fouille. Faut que je regarde pourquoi j'ai pas mes alertes là. Allez, niveau 11. Et ben voilà. C'est quoi le niveau max? 30. Et avec le DLC New York, c'est 40. La prochaine fois, faudra faire Fallout. Hein. Ouais, faut que. Ouais. Ouais, bah non, c'est bon, ton PC, c'est une bombe, ça. C'est ah, bombasse, c'est une machine de guerre, t'es fou, toi. Putain, maintenant. Ah, c'est pas Fallout qui m'inquiète, c'est le temps de pouvoir jouer qui m'inquiète. C'est surtout ça. Attends, c'est quoi cette connerie là? Bon, attends, je vais regarder ma. En fait, je me balade comme un débile là. Après, je joue sur Xbox aussi, Maxou. Hein. Bon, je sais pas c'est quoi mon blaze, je sais plus, mais je joue sur Xbox aussi. Hein. Ah ouais, non, mais là, point de contrôle, ok. Ta mission, qu'on peut réactiver. Ouais, je joue sur Xbox. Ouais. Oui, monsieur. C'est quoi cette mission là? Tu me dis, je te. Tu me dis. Attends, pourquoi ça me dit que c'est marqué terminé? On peut y aller? Mission SHD terminée. Mission SHD terminée. Comment je fais pour avoir des nouvelles missions alors? Parce que là, toutes celles que je regarde, elles sont terminées. Alors. Mission. Mission principale, refuge du théâtre. Ah, mais non, ça c'est les miennes. Attends. La Maison Blanche, ouais. T'as pas un truc? Je suis sur une spécialisation. Progression, mission principale. Ouais, c'est des missions niveau 28, mais c'est les tiennes, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. J'ai musée de l'air et de l'espace. Ouais, bah. Pas à moi, c'est à toi, ça. Niveau 11, ah bah voilà. Ah, c'est des missions annexes. Ouais, pourquoi pas, bah faut que je change ma manette parce que j'ai un autre joystick qui a cassé, donc je change une de mes manettes. Enfin, faut que je change ma manette surtout parce que j'en ai pas d'autre. Je crois que c'est attends, je crois que c'est ça. Du coup, alors attends, parce que nous on en est où là? La mission annexe, SHD, siège du bureau. Bon, enfin, faut que je change ma manette surtout parce que j'en ai pas d'autre. On peut aller faire ça si tu veux. Allez, faire ça. Plus il pleut, là, putain, on a pas de pépins. C'est dans la merde. T'es où là? Tu viens, c'est pas doux? Ouais, j'arrive, attends, j'étais sur autre chose. Vas-y. Comment ça partir, mais... Vas-y, c'est bon. Je te suis. Bah, après, ouais, faut voir sur ce que j'ai. Bah, moi, après, j'ai surtout repris pour jouer à GTA V avec mon meilleur ami. Oh putain, ouais, y'a du là. Cramer là. Ouh, ça va cramer là. Ça brûle, hein? Ça chauffe les cœurs, moi. Je réchauffe les cœurs. Bah après, je vais sûrement bientôt jouer. Faut, quand je vais avoir la Xbox, je vais sûrement jouer parce qu'avec Fazou, il a acheté en thème, donc faut qu'on fasse en thème. Oui. Eh oui, entre autres.
Il y a Anthem à faire, donc vu qu'on Anthem beaucoup. Mais ça va se finir que je vais le reprendre sur PC. Bah, prends-le sur PC, mon pote. Hein. Moi, je vais sur PC, je le réinstalle demain. Anthem, c'est une bombasse. Sur PC, il vaut 10 balles. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a Dark Souls en fait. Dark Souls, en fait, tu sais que. Accès à la réserve déverrouillé. Putain, attends. Tu sais que Dark Souls, j'ai compris pourquoi en fait. Hein. L'autre fois, t'avais pas la clé. Hein. On a loupé un boss. Ouais. Problème, ça. Point de contrôle allié à proximité. C'est un problème. Ah, surtout que mon perso, comment il fait un monstre maintenant. Oh. Voilà. Oui, bah j'irai voir. Normalement, j'ai l'application, donc techniquement, voilà. Mais il faut que je me rachète une manette là, parce que la mienne elle a tout faire. Elle me servait à jouer sur PC, à jouer sur Xbox, donc la pauvre elle a. La cage de technologie SHD est dans un labo au sous-sol. Vous risquez de tomber sur des yens. Je suis quand même dégoûté, j'ai pété mon bouton RB de ma manette, tu sais, Sea of Thieves, c'est une manette pirate, c'était une édition. Assez Kiro, hein. Il m'a démonté ma manette le jeu. À force de faire ça, les parades esquives, tout ça là. J'ai plus de boutons, je suis dégoûté parce que cette manette c'était toute neuve. C'était la plus belle. Non mais c'était la plus belle manette de la Xbox, tu vois. Bah tu sais que tu peux la réparer hein. Non mais j'y touche même plus. Elle est encadrée. Elle est dans un tableau. Je l'ai moulé dans du béton carrément pour. J'ai moulé dans du béton. Non mais ouais non ce jeu il m'a. Je rachète plus de jeux comme ça, de toute façon c'est fini. Ça défonce trop ton mental et tes manettes. Ah non, mais c'est bien pour ça que moi les jeux où il faut que je pose la narine ou autre chose. Ça, tu vois, dans le 1, tu pouvais pas le faire, de commander tes drones comme ça. Attends, on va te faire manger tes narines, mon gars. Attends, laisse-les venir. Voilà, ça passe. Ah merde, ma vie, peut-être que je me soigne un peu. Non, mais avec plaisir, hein, Maxo, un C4, de faire une petite game tranquille pilou là, ouais, pourquoi pas. Hein. Bah après, si tu prends Anthem sur PC, c'est pas où, tu me le dis, moi je vais le réinstaller direct. Moi, tu me dis, tu parles d'Anthem, là, c'est bon, j'ai les yeux qui brillent là. Non, t'énerve bon, pas. Après, moi j'ai un très gros perso, déjà. Ouais, je joue avec tout là parce que. Pour faire une histoire, à la rigueur, je vais rester sur Xbox. Non mais ne t'affole pas tout de suite quand même. Hein. Si je dois, je veux dire c'est que si je dois y rejouer, je le reprendrai sur PC. Parce que la Xbox, je vais pas te mentir, en fait elle est rangée, tu vois. Et c'est bon, je m'en sers plus. Tu vas me l'offrir? Tu vas m'offrir une manette? Ça c'est naze. Bon ça coûte rien une manette, mais au pire t'en prends une manette chinoise là sur Amazon. Manette chinoise. 19 euros, c'est quoi cette connerie? C'est où faut aller? Une vieille manette chinoise à 10 balles là, mon cul, ouais. Une manette, faut qu'elle soit résistante avec moi parce que. Bon, où est-ce qu'on doit aller là? Localiser l'entrée du sous-sol là. Ouais, faut descendre en bas. Ah, y'a du monde, c'est bon, ça fait plaisir. Allez hop. Attentat à la grenade. Voilà. Ah
Alors en thème, moi j'ai kiffé, hein. J'ai surkiffé ce jeu. De toute façon, je suis un fervent défenseur des jeux, pour certains, des jeux les plus périmés. Donc, Fallout 76 ou le nombre de critiques, moi je suis un fervent défenseur de ce jeu. On va dire que. Il y a des jeux, ils vont s'améliorer comme en thème, et il y en a qui se sont améliorés. On va dire ça comme ça en fait. Moi le premier, hein, tu sais, mon jeu fétiche, parce que j'aimais bien les jeux d'espace, ouais, c'était No Man's Sky. Ce jeu, je l'ai acheté direct. Plein de promesses, plein de choses. Moi, je jouais beaucoup à X3 et X4, tu vois, les trucs comme ça. Et quand j'ai vu le jeu, j'ai fait, oh, j'étais dégoûté, tu vois, mais je me dis, bon, alors, là-bas, c'est quand même pas mal. J'aurais fait avec, tu vois. Et en fait, comment je vois quand ils ont pas lâché, qu'ils sont améliorés et que le jeu il prend tout son potentiel, je me dis, mais. Ça m'attriste de voir que maintenant j'aurais même plus le temps d'y jouer, tu vois, alors que c'était avant que j'avais le temps et qu'ils ont pas fait ça. Bah là, il y en a un où je vais m'y remettre, c'est Satisfactory là. Ah oui, ouais. Ça. Ah, ça fait longtemps qu'il est sorti celui-là aussi. Mais il est sur Epic. Bah là, après, il y a Borderlands 3 où j'ai pu y rejouer un peu cet après-midi là avec des potes et j'ai un gars qui est arrivé qui m'a donné une arme. Ta mère. Ça, c'est cette arme, elle a le démon en elle. C'est surtout que t'as un nouveau DLC qui vient d'arriver là, je crois, non ? Ouais, j'ai déjà tout fait. Bien joué. Vous devriez pouvoir récupérer le matériel. Allez, c'est parti. Oh. Non mais je te dis Max, dès que la Xbox elle est en marche, mais là je vais faire un deuxième PC là parce que j'ai pris mon nouveau PC là. Ouais, ça passe. Elle fait un peu de barbecue. Aïe aïe aïe. Ça rase. Ouh, ça fait mal aux couilles. Pas de problème. Bon, allez, on va les déloger. Oh, bah, c'est le top. Il y a pas ta vie. Ça va. Toi tu t'es fait fumer là. Tu t'es fait fumer. Faut dégager. Oh putain ils m'ont eu. Putain j'ai pas le temps de me barrer. Chier. Que je vais pas. Et dis-moi que c'est forculé, bon. Forculé. Ouais, bah pour l'instant, déjà, moi je vais me soigner sur tout. Putain, mais je peux pas me soigner tranquillement là, c'est quoi ce délire? Et alors, c'est qui les tontons là? Putain, on a pu faire planter avec nous, c'est chier. Putain, m'énerve cette arme là sans arrêt. Ah, elle bourrine, non, non, rayon, ça recharge. T'as bourrine des mamans. Impeccable, c'est géré tout ça, c'est géré. Il y a un protocole de sécurité qui a été établi. Les moutons, les brebis sont là, les chiens sont là. Ouais, tout est bon, on est là. Voilà, chercher le cochon d'Inde. Cache en plus, nice. Voilà. Bon bah voilà. Oh, elle était vite faite celle-là, hein, franchement.
Elle était rigolote. Mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? On a oublié quelque chose ici, non? Elle est où cette cage de merde? Ah, c'est là-bas, ok. Voilà. Non, mais je voulais me faire un planning pour jouer finalement, puis je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que tu peux jamais le tenir. Oh, si, je pourrais le tenir, mais j'ai pas envie. Merci, Maxou! Non, toi, tu peux peut-être le tenir, mais les autres, ils le tiendront pas. Tu peux pas. Moi, je voulais faire un planning, et finalement, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Du jour au lendemain, ou à la seconde près, je peux changer d'un coup. C'est pas possible. C'est pas possible de tenir un planning comme ça, bien précis. Si toi, tu peux le tenir, les autres, tu sauras jamais s'ils vont le tenir ou pas. C'est impossible. Par contre, faire un planning personnel, où tu sais que tu joues à des jeux perso et multi, et que des mecs, bah, s'ils viennent te rejoindre, bah, tant mieux. Bon, bah voilà, ça c'est mieux. Bah après je me suis donné des... Avant, voilà, enfin tu vois, je pense que j'ai fait des mauvaises habitudes que je vais changer là. J'avais pris l'habitude d'aller jouer avec des gens et tout. Ah, c'est bon. J'avais pris l'habitude d'aller jouer avec des gens là, franchement, qui étaient pas... Enfin voilà, qui étaient pas follow sur la chaîne, tu vois, ou... Fini ça maintenant, terminé. Terminé. Ah, c'est-à-dire que toi, t'étais follow chez eux, et puis eux, ils sont pas venus chez toi. Bah, ouais, après le follow, je m'en fous à la base. Hein. Pas là pour faire du pognon ou avoir 3 milliards de followers là. C'est ce que j'aurai d'ici une semaine, je pense. Mais. Ah, je te souhaite. Non. Franchement, très clairement. Attends, on va prendre une mission quand même, merde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Refuge. Ah, mission annexe. Quelle mission annexe? Jardin en terrasse. Niveau 30 requis, quoi. Niveau 30. Recruter, mission annexe disponible. Bon, on peut aller faire un petit point de contrôle. De toute façon, si t'arrêtes à 23h. Il est quelle heure là? Oui, on a le temps, vas-y, on peut faire un point de contrôle. C'est totalement jouable. Putain, ça va vite, hein, mon cher. Regarde, 30 là. Putain, j'ai même pas réussi à viser ça. Là, j'ai la sensibilité. Mais bon, après, voilà, je suis allé sur ton stream, toi, je suis allé sur un stream, bah, Maxou, toi, tu vas, donc voilà, je respecterai cette personne. Mais le mec, tu vois, il a vu que je lui dis bonjour, le gars, il me répond pas, tu vois, ces trucs, mais qui me cassent les couilles. Quand tu vas sur son stream. Qui m'énerve. Ah ouais. Ah non, pas à Maxou, hein, non, pas. Non, à la personne que tu dis. Il me dit bonjour, l'autre fois, il m'a répondu. Mais voilà, le gars, il a tout une bête de stream, finalement. Tu sais que tu peux les récupérer, hein, tes mitrailleuses là, hein, que tu poses. Comme ça, ça évite que tu perdes du temps en fait à recharger. T'as juste à appuyer sur le bouton en fait. C'est ça, Maxou, ouais. Et franchement, ça m'a gonflé, tu vois, pas quand il a dit ça. Encore si le mec il a un chat, genre ils sont 40 000 à parler, bon ok. Non. Mais s'il y a une acte 2, ça abuse quand même. Non, il y avait une quinzaine de personnes, mais ouais, bon ça voilà, t'as quelqu'un qui dit bonjour et tout. Je sais pas, enfin moi je sais que même pour avoir 20 personnes, j'estime qu'il faut savoir accorder du temps à toutes les personnes qui viennent te voir. Sinon tu mets ton chat fermé, c'est tout, c'est d'un moment donné, personne chat et te regarde jouer. Voilà, les règles sont claires. Non, ça c'est quelque chose que je peux pas faire. Je peux pas faire parce que, par exemple, bah, je prends Maxou parce qu'il est là et... Tiens, il y a un gros là. Hein. Voilà. Moi ça m'arrive, hein. Ça par contre je fais des chats fermés comme ça au moins. Parce que je pourrais pas y répondre, donc je stream, je... Ah, c'est un truc. Mais fais gaffe, il y a un gros sac à merde. Ouais, ouais. Attends. Non, mais après je pourrais pas faire ça parce que j'aime bien l'interaction avec les gens et... Voilà, je prends ma coupe parce qu'il est là, mais après voilà, tu vois, on peut parler de jeu, tu vois, même si c'est des jeux pas forcément qui ne m'intéressent pas, mais c'est toujours intéressant de savoir à ce que les gens peuvent jouer. Là, il va prendre cher. Il s'est pris du toxique, il a les deux drones. Enfin, je sais pas. Après, je le dénigre pas, Maxou, attention, hein, je tiens à le dire quand même. Hein. Je ne le dénigre pas, hein, mais c'est juste que tu vois, le fait de pas avoir m'a dit bonjour, je me suis senti un peu vexé, quoi. Que pourtant, dire un bonjour, je pense que ça tue pas, c'est, y a rien de méchant, c'est... Mais c'est pas grave, hein, finalement. Hein.
c'est comme ça, hein, qu'est-ce que je te dis. Bon après, très clairement, je me suis barré, hein, j'ai des follow de ta chaîne, hein, moi, c'est, tu me dis, moi je te dis bonjour une fois, deux fois, tu me réponds pas, je me barre, hein, très clairement, hein, très clairement, hein. Bon, ça, c'est bon. T'as choisi un endroit là? Bah là on y va là. Mais bon là c'était un petit film histoire de dire on va relancer la machine mais Détection d'un site protégé par des ennemis. Détection d'un site protégé par des ennemis. Du coup faut qu'on aille où là? Attends, là j'ai un point d'interrogation. Je reprends mon drone, voilà, parce que ça me saoule de l'entendre là naviguer autour de mes oreilles, ça me stresse le truc. Après voilà, moi je sais que le fait de pas avoir stream ça m'a fait perdre des followers, hein. C'est normal après, hein. C'est les gens ils voient pas streamer. Ouais, c'est le jeu, mais moi, ça, c'est le jeu, hein, comme tu dis, hein, c'est carrément le jeu, hein. Les mecs ils puissent voler comprendre, après, voilà, ils savent plus quand est-ce que tu reviens, enfin c'est normal, hein. Bah, j'en ai plusieurs qui m'ont demandé, hein, si j'allais revenir et tout, mais bon, fallait j'avais besoin d'avoir un peu de temps, j'avais besoin de faire un point sur beaucoup de choses et ouais, ça c'est le jeu. Moi aussi j'en ai perdu, mais bon après je leur demande rien, ils ne demandent rien, ils font ce qu'ils veulent. Parce que je veux dire, tu viens pas. Ça, quoi, je m'en tape, ça va pas changer l'odeur de mes draps et de mon lit quand je vais me coucher le soir. Donc, Derrière nous. Ça marche. Mais après je préfère avoir pas beaucoup de gens, mais des gens comme Maxou. Oh Ben. Salut Ben. Ah puis Ben aussi bien sûr. Il y a donc Ben. C'est mon ami québécois ça. D'ailleurs Ben si tu veux il y a une... Oh putain de ta mère. Vas-y on peut y aller là. D'ailleurs Ben pour toi tu peux faire point d'exclamation TBK. C'est une petite un petit truc que j'ai fait quand je jouais à Far Cry 5. Non, New Dawn. Dans New Dawn nous avons... commande fort sympathique, hein. Lol. Bon alors du coup putain, alors, il faut savoir que mon ami Ben en fait on l'a pour l'instant ne stream plus, mais il aime beaucoup les... Vas-y, je t'attends. il aime beaucoup les Resident Evil en fait, et lui faire peur c'est quelque chose où j'ai des clips pourquoi on l'a toujours pas pris ce point là? T'as dit quoi? Et lui faire peur? Ouais. Ah moi je me suis je vais pas dire me pisser dessus, mais j'en pleurais tellement c'est... on a rigolé. Putain mais c'est où? Ah oui c'est par là-bas. Non mais, attends. Pas sur Resident Evil, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas... Ah bah si. Non mais c'est le fait qu'il soit concentré dans son ah jeu. Ah oui voilà, et puis là il y a moi, j'arrive, qui une belle petite commande et puis bam il se faisait un bon. J'adore. Lui il rigolait pas parce qu'à la fin il en avait marre le pauvre. Mais putain mais je m'en vais où là? Pourquoi le point on l'a pas pris? Point de contrôle. Non on l'a pas fait celui-là. Il y a un truc que je capte pas là. Ouais bah avec moi si tu veux avoir tu as l'habitude, hein. Ah mais bon après Maxou, imagine tu viendrais sur mon stream, tu me dirais plein de fois bonjour, tu te répondrais pas, tu te dirais mais voilà ce mec là c'est qui connard quoi, tu vois. Ah putain ouais, Maxou il digère pas ça. Il est encore dessus là. De quoi? Il dit là ça y est, bon, il va partir sur la question du bonjour. Ouais c'est normal, c'est la politesse. Mais ce mec là c'est qui? Vous le connaissez depuis longtemps? Bah non c'est un streamer que j'ai découvert sur Fallout 76, mais bon voilà quoi. Ouais, après je fonctionne pas, je me mets à la place quand t'es viewer. Enfin, je vais pas dire que je suis un streamer parce que le Twitch game pour l'instant je vais pas chauffer parce que je suis pas motivé encore, mais oh putain, je suis en train de prendre ma grand-mère là, bah je suis mort. On peut pas le laisser s'enfuir. Et c'est clair que... Non, je l'ai rencontré sur Fallout 1. Enfin, je l'ai
entrevue sur Fallout 76 et voilà. Et bon après, voilà, je lui avais même dit s'il avait besoin de conseils et tout, et mais bon, pas très grave, c'est très grave, finalement. Finalement. C'est pas très très grave. Putain, c'est le bordel. Ah, c'est le DAO là, hein. Moi je suis mort. Hein. En plus, exact, putain, Maxime, qu'est-ce qu'il fait, exact. De compagnie. Le gars, je lui avais proposé qu'au niveau 5, je lui donnais, que je lui offrais une armure niveau 5, enfin, je lui donnais un petit stuff pour qu'il puisse farmer tranquillou, quoi. Le gars, il m'a quasiment envoyé chier, quoi. Mec, je sais, quoi. Augmentation du groupe activée. Bon, bah voilà, c'est passé, hein. Bah ouais, il y a un nouveau mec qui est arrivé coulé. Non, mais c'est pas, mais après, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu l'as appelé et il n'y a plus personne. Ah oui, Bruce Willis, il est là. Hein. Pas rêvé. Hein. Non, Bruce Wallace. Non, ouais. Voilà. C'est Charles Bronson. Marcellus Wallace. Oui, Marcellus. Je vais refaire une chaîne Marcellus Wallace, quoi. Du coup, bah, on peut aller faire celui-là. Alors, c'est ça. Ouais, vas-y, on fait la dernière. Okay. Ouais, vas-y, 10 minutes. Bon, on fait la dernière, puis on ira voir un de mes amis. Parce que je lui ai dit que le premier host que je ferais, ce serait pour lui. Donc on va aller le voir après. Parce que moi, je streamerai plus longtemps demain. Je serai là bien une bonne partie de la journée, probablement. Vu qu'avec le confinement, on peut rien faire d'autre. Oui, bah 500 viewers, c'est bon. Sur ces 500 viewers, il y en a combien qui viennent réellement? Non, sur ces 500, il y en a 450, c'est des bots. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement ça, ouais. Il y a 450 bots et 50 viewers, vraiment. Qui dit ça, je connais pas. Non, mais par contre, c'est ça, attends, faut pas rêver. T'es en train de stream tout ça, d'un coup, t'as un. Ah, quelqu'un qui a follow 2. Ah, tu fais, tiens, putain, t'essaies de lui parler, bah c'est gentil et tout, puis le mec, il te répond même pas. Ah, tu viens de faire tes courses, man. J'ai dit, ouais, d'accord, c'est un vieux bot encore qui est arrivé. C'est bien. Il y en a ras-le-bol de ça là. La moitié des viewers qu'on a, c'est des bots. Bah après, moi. Ça, c'est la technique de Twitch, hein. Zone contrôlée par les yens. Putain, sa mère, on voit rien du tout, quoi. Ouh, ça va cramer là. Ça va chauffer. Oh, regarde-moi ce cramage intensif. C'est pour ça qu'après, tu vois, je préfère ne pas avoir de cas parce que des fois j'ai l'impression qu'il y en a, les gens ils viennent parce qu'il y a ceci, parce que waouh. Tu regardes la caméra? Ouais. Ah mais ça c'est ouf, hein. Ça c'est ouf. Alors ça... que la caméra c'est pas une obligation, ouais. Hein. Non mais c'est la curiosité, les gens ils sont obligés de savoir à quoi tu ressembles, tes mimiques, comment t'es, tu vois, c'est... Mais moi, connard. Hey, je vais te dire quelque chose, regarde, on va prendre l'exemple de Bob Lennon. Voilà. Tu vois, Bob Lennon, il a toujours fait du vocal. Jamais il se mettait en face cam, jamais. Putain, wow. Je vois plus rien, j'ai l'écran tout devant. Voilà. Il a toujours fait du commentary, tu vois. En plus, il a la voix qui s'y prêtait. Enfin, c'était nickel, ce mec-là. Rien à dire. Depuis qu'il a quitté Fanta, il s'est un peu essoufflé. Tu vois, il a commencé à faire des unions avec Squeezie, avec des mecs qui sont pas trop de sa... Bah après là, je dirais pas sa génération, mais parce qu'il est jeune aussi, mais bon. Et maintenant il fait la face cam. Maintenant tu le vois sur Twitch, et bah il a sa caméra. Donc tu le vois streamer en caméra, parce qu'il a très bien compris que si tu mettais pas la caméra, les gens tu les perdais. Bon, de toute façon je te dirais très clairement, je suis pas là pour faire. Tu l'as pas. Moi je suis là pour partager des moments avec les gens. Renfort en route. Je suis là pour m'amuser, moi je suis pas là. Nouveau contact hostile détecté. Ah. On est où? Ils sont par là, ils sont là. Mais bon, ça c'est le business, ça c'est le truc.
Moi ça me dérange, c'est que voilà, c'est que il y a des gens qui se font chier à montrer des jeux en indépendant, comme moi entre autres, hein, c'est pour ça que j'avais arrêté ma chaîne il y a bien longtemps, tout ça, j'avais tout écrasé. Tu te fais chier à mettre des jeux indépendants, des jeux qui sont pas connus, qui sont en accès anticipé, qui intéressent certainement personne à part les vrais gamers qui eux sont là depuis longtemps et qui ont déjà 40 ans d'expérience dans le jeu, donc c'est des gens intéressants, on va dire entre guillemets, comme nous, dans le gaming, voilà. Et tu gagnes que dalle, tu gagnes que dalle, tu gagnes que dalle. Et par contre ceux qui gagnent, c'est ceux qui jouent à des jeux gratos, populaires. Bah moi tu vois ça me... C'est ça. C'est pas possible qu'il y ait deux poids deux mesures comme ça, quoi. Je parle pas que moi en général, mais t'as des streamers comme BB300, t'as des streamers comme Steelhorse, t'as des streamers comme... Voilà, il y en a plusieurs qui montrent énormément de nouveaux jeux, qui montrent pas mal de petites choses, qui essayent de se débrouiller, enfin voilà. Et t'as juste le gars qui arrive parce qu'il a un réseau, il a une équipe et tu sais pas comment ça se fait qu'il est référencé comme ça du jour au lendemain, lui par contre. Parce qu'il t'a fait du Fortnite et ça y est, c'est parti. Le mec il va brasser... pas mal de films tous les mois que toi tu te fais chier à découvrir et à être dans l'essentiel du jeu vidéo finalement. De faire découvrir des belles choses, de faire découvrir tout style. Et tu joues à tout style de jeu, surtout t'es pas confiné sur un jeu. C'est là qu'on voit le vrai gamer aussi, tu vois. Et toi tu gagnes d'accord, non, non, mais toi tu gagnes rien. T'as un rebut du joueur. Regarde, je vais dire un peu près entre guillemets, regarde. Bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais regarde le joueur du grenier. Bon, ben il a fait son petit business, il fait ses petits jeux de société, il monte ses petits jeux indépendants qu'il a envie, tout ça, enfin voilà. Mais le mec, il comprend même plus pourquoi. Il avait fait une vidéo, il savait même plus pourquoi il était sur YouTube. Parce qu'il est dépassé, parce que YouTube, c'est plus ce que c'était avant, c'est plus de la découverte et de l'amateurisme. Ça se professionnalise, t'as plein de gens maintenant qui sont là avec du matos de ouf. Exactement, Maxou, exactement. D'accord avec toi. Les gens veulent du populaire, je pense que... Enfin, après, moi je vois ça comme ça, mais... j'ai l'impression que quand tu vas sur YouTube, le premier truc qu'on te dit sur YouTube, c'est Squeezie. Étant donné que c'est le premier YouTuber de France, les gens se référencent à lui. Et en plus... Alors que c'est une erreur. Moi ça me fait flipper, tu vois, ça me fait flipper. J'ai rien contre lui personnellement, parce que je le connais pas, mais... Ça me fait flipper de voir à qui a décidé que c'était lui le meilleur, tu vois. Moi ça me rend ouf ça, tu vois. Parce que il suffit de regarder le nombre de vues qu'il a fait, il suffit de regarder cela. Non mais ce que je veux dire c'est que quand avant il jouait à Call of tout ça, il est pas meilleur qu'un autre. Faut arrêter l'idée, c'est pas l'élitisme. Pour moi un des meilleurs actuellement sur Call of Duty Warzone c'est Locklear. Hein. Locklear alors lui, fou maman. Moi je l'aime pas donc... J'adore Locklear, moi je kiffe. Ah franchement moi Locklear j'adore. Pas débattre sur lui. Moi ce que j'aime pas sur Locklear et je le répéterai comme je dirais à tous les autres, ce qui m'agace, c'est que... Quand tu fais du stream ou quand tu joues, ou même sur YouTube, tu fais des vidéos de jeux. D'accord ? On parle de jeux vidéo. Et j'en ai marre de voir sans arrêt des vignettes avec des stories de un tel m'a quitté, de lui il veut plus me parler, de ah je me suis fait. Ah, mais sauf que Locklear il en joue. Locklear il en joue. Mais il fait comme tout le monde, parce que c'est putaclic. C'est des putaclic. Non, pas bon. T'as les mecs qui sont obligés de cliquer dessus pour voir. Quand tu vois ce qu'il génère aussi sur Twitch, oula, le gars il a 10 700 subs. Non, mais attends. Et là, c'est là où tu vas me rejoindre, c'est que Locklear, il était pas connu avant, il était rien. C'est juste parce qu'on l'a amené à ce niveau-là, à ce réseau-là, avec AlphaCast, entre autres, et toute une petite équipe. AlphaCast, mais bon, après, il a quand même tenté de percer, il a arrêté, il a commencé sur Battlefield, après, il y a eu Overwatch, parce qu'il a eu le réseau, il y a eu le réseau, mais c'est pas, si tu veux, une personne qui est... Enfin, moi, je vois pas son... Je vois pas sa valeur ajoutée, si tu veux, tu vois, je vois pas le truc. Moi, pour moi, tout le monde est bon. Mais pourquoi le point de contrôle on dit qu'il n'est pas pris alors qu'il est encore mais rouge hein. J'ai rien contre lui, ce que je veux dire c'est qu'il me fait pas plus délirer qu'un autre. Tu vois, une personne que franchement j'aime pas, Gotaga, tu vois. Je l'aime. Ah non, bah Gotaga lui je l'aime pas du tout, très clairement. Je l'aime pas, sauf que lui, quand tu regardes ses streams ou quand il joue, et bah il joue. Il est pas là en train de faire des blagues lunettes ou en train de te sortir des trucs de merde. Il est là, il joue. Il est tout le temps concentré, il joue. Alors après moi j'aime pas le personnage, tu vois, j'aime pas le délire. Mais... il doit être très gentil, enfin il n'y a pas de souci, mais c'est pas ma génération, c'est pas mon... Par contre lui je le reproche pas, il joue, il est dans le jeu. Les autres ils sont pas dans le jeu, les autres ils sont tout le temps dans la petite découverte, dans la petite love story du truc. Un tel est venu parler, je m'entends plus avec Chelsea, je m'entends... J'en ai branlé, ça me fait... On parle de jeu, si t'as envie d'être comédien, tu changes de catégorie dans YouTube et tu te mets pas dans le jeu vidéo. Ça, enfin, je comprends pas, c'est quoi ce. Moi, c'est clair, Maxou, hein, c'est clair. Hein. C'est ça qui m'agace, moi, dans le jeu.
Quanta. Et c'est pour ça que, entre autres, Cyprien, que j'aime pas non plus, mais lui, il fait sa comédie, tu vois, il écrit ses petits trucs. Il fait son truc, il est pas dans le, dans le gaming comme, comme tous, et puis finalement, c'est du gaming love story, quoi, tu vois, c'est ridicule. Tout ça ridicule, moi j'aime pas ça. J'ai pas leur âge et j'ai pas, j'apprécie pas. Tu vois, c'est comme je te disais, Skyros. Pareil, moi il m'énerve, il hurle tout le temps, tu vois, il est tout le temps, c'est Skyros, voilà, il m'énerve. Sauf que lui... Ah oui, bah, mais Gotaga, il a percé parce que, attention, c'est un excellent joueur. Tu parles de Gotaga Ben, tu pourras pas mettre de lien à Gotaga, il a percé parce que, attention... Parce qu'il fait que ça, il fait que de jouer, et lui, tu peux pas lui reprocher. Il est tout le temps en train de jouer. On l'appelle pas le French Monster pour rien. Ah oui, oui. On l'appelle pas le French Monster pour rien. Et c'est pour ça que je te dis que moi, je l'apprécie pas spécialement, mais quand tu regardes ses streams, ça le fait même chier que ses potes qui doivent jouer avec lui papotent et mettent du temps à venir à leur joindre. C'est ça. Lui, ce qu'il veut, il est en train de trembler tellement qu'il a envie de jouer, tu vois. Ah non, non, Ben, il y aura jamais aucun lien sur mon stream. C'est même pas en rêve. Putain, je suis mort, je suis tombé. Ah bah, moi aussi. Mais Gotaga, il a un skill de psychopathe hein, sur Call of Duty. Hein. Pouh, c'est un monstre. Hein. Non, mais même. Pratiquement sur tout jeu. Mais bon, après, c'est pareil. On leur donne des clés. Les mecs, ils peuvent tester les jeux un mois avant. Enfin, bon, après, je veux dire, pas là. Si t'en fais ton travail et qu'on dit reste tranquille à la maison et tu peux faire que ça, il n'y a aucun mérite non plus. C'est pas ce que je suis en train de dire, tu vois. Bon, ils ont l'occasion de le faire. Ça s'est démocratisé grâce à nous, les jeux vidéo. Parce que c'est nous qui avons monté. Toute notre génération, c'est nous qui avons monté les jeux vidéo, qui avons apprécié, qui avons encouragé, qui avons joué. Pour qu'il y ait un intérêt, pour qu'il y ait une, aussi que ça décuple une motricité pour les gens. Enfin, et c'est bien qu'ils en profitent, mais c'est vrai. Faut pas faire faut pas qu'il y ait d'arrogance non plus, quoi. Complètement d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'idole, il n'y a pas idolâtré de telle ou telle personne. Pour moi, que ce soit Locklear, Dugby ou Squeezie, qui a dit que c'était des bons joueurs, tu vois. Moi je suis sûr que Dwadby m'énerve. Moi m'énerve. Je vais te dire, c'est eux qui ont eu le monopole sur YouTube parce que YouTube s'est monté, ils ont monté un contrat avec ces petits jeunes. Voilà, parce qu'ils avaient payé rien c'est au démarrage et puis ils ont pu les encercler en fait et leur dire voilà, on va travailler comme ça. Hein. Mais dans le monde entier, t'as des joueurs mais carrément plus performants qu'eux, tu vois ce que je veux dire. Et eux ils sont pas connus, tu vois. Et on veut pas qu'ils soient connus surtout. On les invite pas à des events ou des choses comme ça parce qu'ils savent que les mecs ils vont arriver, ils vont tout détruire et ils vont démonter tout le business qui a été fait autour de personnes qui étaient, on va dire, aptes à être réceptifs à une entreprise qui est YouTube ou Twitch. Donc tout ça c'est voilà. Mais donc c'est pour ça que. Mais j'ai rien contre ces jeunes là, c'est pas ce que je dis, hein, mais je suis pas pour autant que. Un agent a quitté votre groupe. Que je les kiffe quoi. Augmentation du groupe. Inactivé. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Hein. De toute façon, je pense que finalement. Là, je vois pas où le mérite, si tu veux. Je vois pas où le mérite. Aujourd'hui, c'est se tromper d'être bon au jeu ou de montrer des E1D. Après, je suis assez d'accord avec toi, Maxou. Moi, je sais que de toute façon, Espazou me connaît assez bien. Moi, je joue à ce qui me plaît, quoi. Très clairement. Demain, on a envie de jouer en thème. On jouera en thème. Après le monde, on a envie de jouer à Fallout 76, on jouera à Fallout 76. Mais oui, puis après tu peux jouer à cette Death to Die, on s'en branle quoi. C'est. La Division 2, c'est parce que voilà, c'est proposé de m'aider. Donc voilà, du coup, ça me redonne un peu d'envie de jouer à ce jeu parce que j'aimerais bien le finir quand même au moins une fois dans ma vie quoi. Et après, au moins faire des trucs pour histoire d'avoir des bonnes armes, etc. etc. Mais après, j'ai du Ghost Recon Breakpoint où là, je suis très haut level et j'envoie du carton, mais. Mais après, c'est des jeux qu'il faut que je réinstalle et voilà. Mais bon, après. Après, faut que je mette. J'ai Twitter qui est en place là. Enfin, j'ai plein de choses en fait. Et là, du coup, de toute façon, là, nous, on va s'arrêter, je pense. Ouais, on va s'arrêter. Mais bon, là, ce qui me dérange, si tu veux, c'est que le réseau, il est saturé. Maintenant, pour monter sur Twitch et tout ça, faut streamer 24h sur 24. Faut laisser ton PC tourner. Faut mettre des rediffs constamment. Enfin, C'est ça. Le réseau il est très très compliqué, il est très très compliqué. Si tu adhères pas à faire des vignettes putaclic sur YouTube et puis faire des jeux populaires tout le temps constamment, bah c'est mort quoi. Exactement ça. Non mais c'est clair. C'est clair. Tu peux pas gagner du pognon, tu peux rien faire. Hein, c'est exactement ça. Tu vois, des mecs qui. Qu'on voyait jamais streamer sur Twitch, hein. Et donc c'est pour ça que je te parlais des mecs comme t'avais Tabibi 300 qui montrait des jeux justement là sur YouTube. Là. Ça fait longtemps qu'il est là lui. Qui streamait pas sur Twitch et maintenant ils viennent tous sur Twitch. T'as
Monsieur le V12, pareil, il était jamais sur Twitch, il était toujours sur YouTube. Et puis bah, les mecs, ils viennent sur Twitch. Skyros, c'est bien pareil. Sûr. Bah, c'est ça, Maxouche, carrément, c'est exactement ça. C'est le reflet de la société de maintenant. Exactement. Toi, je t'aime bien, Maxou. TK78, qui faisait tout le temps des vidéos sur YouTube avec son Kenny, là. Enfin, bah, lui, il a jamais trahi, jamais menti, il a toujours fait son truc. Hein. Il est venu sur Twitch. C'est ça. Parce qu'on lui a proposé plus gros, et puis voilà. Et bah, ça. Parce que voilà. Et du mais coup, bon, après, il y a des mecs. Pourquoi ils sont partis. Pourquoi il y a des mecs comme Ninja qui sont partis sur Mixer, pourquoi... Enfin, il y a tellement de choses qui sont un peu suspectes. Enfin bon, après voilà, après le Twitch game, de toute façon, c'est une histoire d'argent, on va pas se mentir. Hein. Quand vous voyez une pub ici, hein, faut pas se mentir que c'est pas dans notre poche hein, que ça va, bien évidemment. Hein. Mais après... attends. Un truc. Ah ben ouais, mais j'ai pas mes alertes en fait. Pourquoi?